Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Klaus Abfast, élu à la ville de Grenoble en charge du patrimoine architectural. Je vous souhaite la bienvenue ici à Grenoble et à distance via visio pour cette table ronde, aussi au nom du maire Eric Piolle. Aujourd'hui, nous sommes plus de 140 à nous intéresser à la tour Perret, cet édifice emblématique de la ville de Grenoble, dont la ville s'apprête à faire les travaux nécessaires de restauration, de rénovation à partir de l'année 2022 pour pouvoir inaugurer les visites à la tour Perret pour le centenaire de l'édifice à partir de fin 2024, début 2025. Aujourd'hui, c'est une étape importante parce que l'avant-projet de rénovation nous a été confié par le maître d'œuvre, l'architecte du patrimoine, François Boton, il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, on peut donc déjà tirer les leçons, on peut divulguer la richesse d'informations qu'un chantier test nous a livré, un chantier test que nous avons fait en 2020-2021 et qui a permis de qualifier les méthodes pour la restauration, les meilleures méthodes pour la restauration de la tour. Et cette table ronde, elle va nous permettre d'en savoir davantage. Valoriser et divulguer donc aujourd'hui vers un public professionnel, un public des professionnels du patrimoine de l'architecture. Mais en parallèle, il tient beaucoup à cœur à la ville de Grenoble, à ce que ces informations soient aussi valorisées, divulguées vers le grand public, que ce soit vers les nombreuses visites scolaires de la tour et du chantier de la tour, mais aussi aux journées du patrimoine. Et donc ça me permet donc de remercier tous les partenaires qui nous aident dans ce projet. Bien sûr, le comité d'experts pour la restauration, qui est largement associé aussi à la préparation de cette table ronde, mais aussi le CAU de l'ESER, qui nous aide à tous les aspects, et notamment aussi avec les scolaires. L'ENSAG et Cédric Avenier, qui a accompagné comme conseil scientifique le projet de la tour Perret depuis le début, et ICOMOS France. Donc aujourd'hui, un grand merci à nos partenaires et aussi à l'État et au département qui financent largement ce grand projet. Mais aussi un remerciement à Mme Vacchiani et à Mme Blanc et toutes les équipes de la direction urbanisme et aménagement qui, depuis maintenant déjà 5 ans, sont sur le projet. Et vous allez voir aujourd'hui qui produit déjà une richesse de connaissances et de savoirs qu'on n'aurait pas imaginé quand nous nous sommes mis dans cette aventure de la restauration de la tour Perret. Merci. Madame Schmuckle Mollard. Bonjour, je suis animatrice aujourd'hui de cette réunion. Vous m'avez invitée au titre de présidente de l'association Auguste Perret, qui existe depuis 1963 et qui veille à la conservation des œuvres de Perret, de son appartement. Et comme je suis également expert du comité international de l'ICOMOS sur le XXe siècle. Nos 3 interlocuteurs vont se présenter à tour de rôle et je donne la parole à François Goven. Je suis François Goven, architecte de formation, ayant exercé différentes responsabilités dans le champ du patrimoine, et mes dernières fonctions étaient d'être inspecteur général des monuments historiques avant de prendre ma retraite. Alors, le propos que je vais tenir ici, je crois que nous avons un quart d'heure chacun pour notre communication, ne va pas aborder la question précisément de la tour Perret, ni les questions techniques en matière de béton, puisque 2 intervenants en parleront de façon précise. Mais les quelques mots que je voudrais vous dire portent sur cette histoire un peu particulière et complexe que depuis quasiment son origine, le service des monuments historiques français a entretenu avec le matériau béton, si paradoxal que cela puisse paraître, et comment, au fur et à mesure de l'histoire du XXe siècle et du début du XXIe, le béton a posé des questions d'approche et de doctrine. Et je crois que c'est le sujet particulier qui se pose à nous aujourd'hui en ce qui concerne la tour Perret. Alors mon propos va s'articuler en 4 courtes séquences. La première que l'on pourrait qualifier de... Alors, est-ce que ça marche ? Non. Non, c'est pas ça. Voilà. Que l'on pourrait qualifier de genèse. Alors, on sait que les architectes du service des monuments historiques, dès la fin du 19e siècle, sont intéressés par le matériau béton. Enfin, à l'époque, on parle plutôt d'ailleurs de ciment armé. Je ne vous montre pas de photos de la fameuse église Saint-Jean-de-Montmartre d'Anatole de Baudot, mais qui est considérée presque sur un plan international comme un des premiers témoignage majeur est fait par un architecte qui est l'un des successeurs quasi directs de Viollet-le-Duc. La photo que je montre ici est un peu plus, donc représente un monument un peu plus tardif, mais c'est un édifice où se croise à peu près toute la complexité de la relation béton-monument historique dans l'immédiate après-Première Guerre mondiale. Il s'agit de l'édifice commémoratif de la tranchée des baïonnettes. La tranchée des baïonnettes, c'est à Douaumont, à côté de Verdun, puisqu'il s'agit de commémorer un épisode de la bataille de Verdun de 1916. Et l'édifice est construit en 1920, précisément par l'architecte en chef des monuments historiques, André Ventre, qui est chargé de la restauration des monuments sinistrés de la Meuse et de cette partie de la Lorraine. Et il réalise un ouvrage en béton armé, donc 1920, au lendemain de la Première Guerre mondiale, et accessoirement par une entreprise d'ailleurs, qui est l'entreprise spécialisée en matière de monuments historiques, et qui sera longtemps l'entreprise privilégiée de la restauration des monuments de Lorraine dans les 50 ans qui suivront, l'entreprise Ory. Mais ce n'est pas tout. 2 ans après sa construction, ce bâtiment sera classé au titre des monuments historiques, faisant de l'édifice de la tranchée des baïonnettes, pas tout à fait le premier, mais presque le premier édifice du XXe siècle classé au titre des monuments historiques, en l'occurrence 2 ans après sa construction. C'est tout dire. Évidemment, à l'époque, il ne s'agit pas de protéger l'édifice pour sa valeur historique ou architecturale, mais évidemment pour sa valeur mémorielle. Mais cette relation entre monument historique et béton à l'époque ne s'arrête pas là, puisque le béton va également servir, vous le savez tous, on le sait, à l'intervention des architectes restaurateurs, reconstructeurs, après la Première Guerre mondiale. Je montre là, pour mémoire, évidemment, nous en parlions ce matin, la fameuse charpente de la cathédrale de Reims qui sera construite en éléments préfabriqués de béton armé, l'architecte étant Henri Deneux. Donc là, le béton va servir, cette fois-ci, à restaurer les édifices, soit sous la forme de compléments, de parties détruites ou disparues, comme on le voit ici à l'écran, soit, je n'en montre pas de photos, je reviendrai après sur la suite, pour consolider des édifices. Et on sait le rôle pionnier et majeur que pourront avoir certains architectes, comme Pierre Paquet, par exemple, lors de la reconstruction de la ville d'Arras et de la restauration des monuments d'Arras, qui utilisera le béton armé comme technique de consolidation en vue d'une conservation et restauration des bâtiments. Alors, voilà la première séquence que je voulais évoquer. La deuxième est une séquence qui est postérieure à la Seconde Guerre mondiale, qui va correspondre à cette période qui, en gros, va s'étaler de la fin des années 50 au milieu des années 70 et durant laquelle va se développer une prise de conscience culturelle et patrimoniale autour de la production architecturale et urbaine du XXe siècle. Jusqu'à présent, naturellement, en dehors de l'exception dont j'ai parlé, ou des quelques exceptions comme le monument de la tranchée des baïonnettes, évidemment, la question n'est pas, jusque dans les années 1950, de protéger des édifices antérieurs au XIXe, voire au XVIIIe siècle. Or, il va y avoir, ce n'est pas propre à la France, on le trouve également dans d'autres pays voisins, une série de réflexions qui vont amener à une prise de conscience de cette protection institutionnelle de l'architecture récente. Alors je ne sais pas si le document que je montre là est très lisible, mais il est assez amusant, enfin, il me le semble en tout cas, puisqu'il s'agit d'un courrier de Louis Hautecœur qui écrit dans les années 50 au secrétariat d'État aux Beaux-Arts, à l'époque il n'y a pas de ministère de la Culture, pour défendre l'œuvre d'Auguste Perret. Et c'est un courrier de 5 lignes, comme vous le voyez. Alors, je n'ai pas le temps de développer Louis Hautecœur, mais qui est un personnage majeur dans l'histoire des institutions culturelles, même s'il a été pendant 4 ans à la tête de la direction des Beaux-Arts dans le gouvernement de Vichy. Mais enfin, c'est une autre affaire. En tout cas, il défend une protection qui est un élément tout à fait novateur de l'Église que vous voyez. Et j'ai mis une photo qui est contemporaine donc du courant des années 50 de l'Église que vous reconnaissez, Notre-Dame du Raincy. Donc, Hautecœur défend l'idée qu'une reconnaissance sous forme d'une protection au titre des monuments historiques doit intervenir. Alors, c'est assez amusant parce que le moins que l'on puisse dire est que Louis Hautecœur n'est pas forcément un apôtre du béton. On se souvient de la diatribe des années 30 où il s'était moqué des architectes modernistes, notamment Mallet-Stevens, Le Corbusier, j'y reviendrai une seconde, se moquant de ces architectes qui, se voulaient modernes, qui faisaient semblant de construire en béton, mais en réalité prônaient une esthétique du béton alors qu'ils construisaient en maçonnerie traditionnelle. J'y reviendrai une seconde. En revanche, évidemment, Louis Hautecœur défendait Perret, qu'il considérait, à juste titre, comme une sorte de tenant de l'académisme. Ils étaient par ailleurs tous les deux à l'Institut, membres de l'Académie des Beaux-Arts. Dans ces mêmes années, alors un peu plus tard, on verra que, vous savez, que le premier édifice classé pour un motif d'architecture d'un édifice du XXe siècle, c'est le Théâtre des Champs-Élysées, donc toujours Auguste Perret, 1957. Et dans les débuts des années 60 arrive, je vous mets un extrait de ce que l'on a appelé la liste des monuments modernes, qui est un document de 1964, et qui montre, et c'est là où je voulais en venir, le rôle du béton, puisque les quelques architectes qui sont dans cette liste qui est établie entre 1963 et 1965, ça c'est la liste de 64 à noter un tout petit peu après, je ne sais pas la date, mais visiblement vers 1965, elle est très intéressante. D'une part, les 3 figures de proue de l'architecture française dont il faut, entre guillemets, protéger les œuvres, ce sont 3 apôtres du béton, en quelque sorte, puisque ce sont Tony Garnier, les frères Perret, et Auguste Perret en particulier, et Le Corbusier. Et non seulement cela, mais dans cette liste, il y a même une catégorie thématique, ouvrage en béton. Donc on voit qu'il y a une sorte de manière presque congénitale, l'invention de la notion de patrimonialisation de l'architecture du XXe siècle se fait en France autour du béton. Ça n'est pas forcément le vrai des pays voisins où, dans le même temps, une réflexion similaire se poursuit. Je vous montre là, pour illustrer le propos de Hautecœur, qui est un peu amusante, vous avez à gauche la Villa Savoie dans l'état où elle était après la guerre, c'est-à-dire un tas de parpaings et pas de béton. Et à droite, malheureusement, c'est très peu lisible, mais la photo elle-même est très expressive. C'est la Villa Mallet-Stevens qui est entièrement construite en pierre des morts, alors même qu'elle donne, une fois enduite, l'impression d'être en béton. Donc, avec cette espèce de confusion entre le béton, élément de structure, et l'image du béton considérée comme une esthétique. Évidemment, pour Hautecœur, Perret n'est pas dans cette démarche-là. Il a une expression franche du béton. La troisième séquence, et je vais accélérer, parce que je vois que j'ai déjà au moins 2 minutes de retard, c'est quelques années après ces protections des années 60-70, la question de l'intervention sur ces édifices. Parce qu'à peine construits, évidemment, se pose la question de leur restauration. Et donc, ayant été protégés pour un certain nombre classés, plusieurs architectes des monuments historiques vont se retrouver à partir des années 70-80 confrontés à la question de la restauration de ces monuments. Donc il y a quelques exemples qui sont les premiers. Bien sûr, l'église, ce n'est pas la photo, là, je vais y venir, bien sûr l'église Notre-Dame du Raincy, puisque protégée dès les années 1960, 66 si j'ai bonne mémoire, enfin, il est question qu'elle puisse être très vite restaurée pour commémorer le centenaire de la naissance d'Auguste Perret, donc en 1974. on sait que 20 ans après 1974, la restauration sera encore loin d'être achevée. Donc on voit les difficultés qui auront entouré cette question délicate de la restauration du béton. La photo que je montre ici porte sur un autre édifice qui a été parmi les premiers, et en tout cas les plus récents, sur lesquels une intervention a été faite après la protection. C'est le couvent de la Tourette de Le Corbusier, puisque achevé à la... vers 58-59, il va être classé quelques années plus tard, 1966, et donc la restauration va s'engager un peu plus de 10 ans après sa construction, et avec toutes les questions qui vont se poser. Et Jean-Gabriel Mortamet avait d'ailleurs fait plusieurs communications dans les années 80 sur cette opération assez pionnière sous son regard de la restauration d'ouvrages en béton qui, bon, évidemment, feront l'objet de toute une série d'analyses critiques ultérieurement, mais je passe très vite. Et puis là, avant de terminer par la quatrième séquence, c'est évidemment pour poser la question de l'approche. À ce moment-là, le béton n'est pas forcément considéré comme un matériau patrimonial. La préoccupation est essentiellement de maintenir son aspect, bien sûr, ses capacités structurelles, mais également son aspect esthétique en termes d'épiderme. Je montre là, à titre d'exemple, dans un article que Elisabeth Marie-Victoire avait écrit il y a quelques années pour la Revue Monumentale, des images du Palais d'Iéna, du conseil, enfin, actuel Conseil économique et social, mais qui était le Muséum des travaux publics des frères Perret, et dans lequel Elisabeth Marie-Victoire montrait bien le paradoxe qu'il y avait entre respecter la présentation esthétique, évidemment très importante, de l'épiderme bouchardé du béton, et l'obligation d'altérer, en quelque sorte, la matière en profondeur si l'on voulait reprendre, arriver à un résultat satisfaisant en termes d'esthétique. Donc, en permanence, cette question qui va être l'objet du débat qui va suivre, c'est: faut-il privilégier le sens de l'architecture, sa dimension, sa géométrie exacte, sa présentation, ou le matériau en tant que matérialité, en tant que composant? Ce n'était pas une préoccupation à l'origine. Aujourd'hui, elle le devient. La quatrième séquence, très courte, je vous montre 2 ou 3 images sur ce qui peut être d'ailleurs pour certains considéré comme une forme de dérive, où le matériau béton devient un objet de sacralisation, et où non seulement il va falloir respecter sa durabilité, sa consistance, ses propriétés physiques et son aspect, mais également le conserver comme une matière, un matériau à conserver au sens premier du terme. On a là le débat, enfin je vous montre 2 photos concernant la sous-face de la dalle de la villa d'Ellen Gray et Jean Badovici sur la Côte d'Azur, à Roquebrune-Cap-Martin, qui nous a beaucoup occupés depuis pas mal d'années, et où la question s'est posée, débouchant sur une proposition donc technique, dont il sera, j'imagine, dit quelques mots ultérieurement, essayant à la fois donc de combiner ces deux opposés, garder la matière du béton en quelque sorte historique, y compris avec ses défauts, et évidemment arriver à conserver son aspect. Voilà l'aspect final après ce système de protection cathodique par courant imposé, c'est ça, qui a été la solution retenue. Je terminerai par, et ça sera vraiment mon dernier mot, je terminerai par une image qui n'a rien de technique, mais qui est la chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp, donc autre édifice iconique dans l'histoire de l'architecture moderne, et qui aujourd'hui, alors sur une technologie un peu différente, puisqu'il s'agit là de béton projeté, en voile relativement mince, enfin je ne sais pas si on peut parler de voile dans ce cas-là, mais pose des questions totalement contradictoires, de résolution à la fois de solutions techniques destinées à régler les pathologies importantes dont souffle l'édifice, mais en même temps permettre de respecter les règles tout à fait explicites et écrites que Le Corbusier avait développées en termes d'aspect, de matériaux, de couleurs, Et donc, je terminais par cette image, je crois que c'est tout, et je vous remercie. Et je voudrais simplement conclure en 20 secondes en disant que je lisais récemment sous la plume de Jean Balladur. Jean Balladur, vous savez que c'est l'architecte de la Grande Motte, donc qui a utilisé le béton d'une façon assez large. Grande Motte qui vient d'aujourd'hui, maintenant fait l'objet d'une assez large patrimonialisation. Et il décrivait le béton comme un matériau moderne, informe et visqueux. Merci. Merci François Goven pour cette remarquable présentation. Il y manque quand même un édifice majeur que j'ai restauré et qui est dû à André Lursa. On a peu parlé de cette restauration parce que les bétons étaient d'une telle qualité qu'ils n'ont pas nécessité d'intervention technique. En réalité, il y a eu en France des architectes avec l'entreprise Embic qui ont réalisé des œuvres qui nous sont parvenues en excellent état. François Goven d'abord, architecte en chef des monuments historiques, qui va se présenter rapidement. François Boton, architecte des monuments historiques honoraires, architecte du patrimoine, est chargé de la mission par la ville de Grenoble de restaurer la tour Perret. Donc ma présentation sera en 3 séquences. Je vais demander à ce qu'on puisse lancer le PowerPoint, où je dresserai un petit aperçu de l'état matériel de la tour telle que nous la découvrons aujourd'hui, après son long, sa longue période d'oubli, avec une interrogation, restaurer la tour Perret de Grenoble, point d'interrogation. La présentation va indiquer les raisons de ce point d'interrogation. Il s'agit d'une icône, d'un manifeste, mais très fragile, dont le cycle de vie jusqu'à aujourd'hui est retracé par ces quelques dates. 1924, construction, 11 mois de travaux, c'est très court. 1925, c'est le phare de l'exposition de la houille blanche et du tourisme à Grenoble. 1925-61, exploitation touristique. Donc c'est la période d'ouverture de la tour qui ne dure que 36 ans. C'est très peu pour un édifice de ce type. Fermeture qui intervient en 1961. Fermeture au public pour des raisons de sécurité. On sait aujourd'hui un petit peu mieux quelles étaient les problématiques liées au fonctionnement des ascenseurs et à l'inclinaison de la tour. 2022-2024, donc chantier de restauration en vue de la réouverture au public pour le centenaire, alors le centenaire de Perret et le centenaire de la tour, en indiquant que le chantier n'a pas démarré de manière immédiate, mais nous avons souhaité que la ville soumette les questions techniques au filtre d'un chantier test dont les tenants et aboutissants vont vous être présentés maintenant. Donc un premier constat, un constat que je n'hésite pas à traiter de dramatique par rapport à l'aspect de corrosion très importante où les aciers sont visibles, avec des pertes de matière extrêmement importantes. Donc le petit plan sur la droite vous indique sur une élévation en rouge les parties manquantes sur la partie la plus dégradée. Donc il s'agit vraiment d'une situation à la limite de la ruine, dont on peut s'interroger sur le fait qu'elle n'est pas spécialement alarmée pendant les 30 années pendant lesquelles ce phénomène s'est développé. À l'origine du mal, donc là c'est une connaissance classique que l'on a donc, de l'origine des désordres touchant le couple que je qualifierais d'infernal entre l'acier et le béton, dès lors que les conditions d'environnement de leur union se dégradent. On voit sur l'image de gauche donc l'état apparent des armatures, avec les armatures principales, donc c'est les fers de 30 mm verticaux donc dans les piliers supportant la structure, et ce qu'on appelle les cadres, donc ces petits aciers probablement un peu trop petits dans le cas présent, qui sont censés contenir les poussées de ces fers, qui ont, compte tenu de la carbonatation puis de la corrosion de ces aciers, libéré dans ce qu'on appelle une poussée au vide de ces aciers qui ont disloqué le béton. Donc on est là dans une situation extrême, je dirais, de dégradation. On lit vraiment parfaitement les phénomènes en cause. L'image de droite, c'est un peu la question de diagnostic, donc, qui a fait l'objet de la première phase d'étude, et c'est de comprendre les phénomènes, avec donc le phénomène de la carbonatation, mais qui sera développé par Elisabeth Marie-Victoire, où le béton normal représente un pH élevé, donc c'est la partie en rose, et dès lors que le pH descend, donc on passe de l'alcalinité à l'acidité, les problèmes débutent dans la mesure où l'acier n'est plus protégé par la basicité du ciment et prend sa liberté, s'expanse, se corrode, et c'est le début de la dislocation du béton. Donc le couple fer-béton qui est extraordinaire, on a évoqué donc, pour les pionniers de son utilisation, les ressources infinies de ce couple, mais qui, de manière inéluctable, ce n'est qu'une question de temps, se voit s'enclencher ces phénomènes de corrosion dus à la carbonatation. Donc, nous avons engagé une tranche d'essai où, sur la base des diagnostics de matériaux, nous avons recherché les voies et moyens de répondre aux différentes questions qui pouvaient se poser, par rapport notamment, dans un premier temps, à la matérialité, c'est ce qui saute aux yeux, la matérialité du béton, des aciers, donc étudier l'existant, chercher les voies et moyens de remarier ces matériaux anciens avec des matériaux nouveaux de manière à rendre une espérance de vie fonctionnelle à l'édifice. Et ça passe par des tests. Donc, on voit sur l'image de droite donc des planches d'essai. On a mixé des types de béton, des types de granulats, des types de rendus, des rendus avec des planches sablées, brûlées, naturelles, éplucher tous les possibles de manière à dégager les moyens de rendre sa dignité, sa fonctionnalité et son identité au monument. Voilà, donc ça a été jusqu'à sélectionner les granulats. Donc l'idée, c'était de ne pas accepter des préformulations industrielles, bien que rassurantes par le respect d'une norme, mais de vérifier si on pouvait à la fois créer un matériau qui réponde aux normes, donc c'est un béton compatible avec les environnements sulfatés, parce qu'on a cette problématique, mais en conservant l'idée de la territorialité de ce matériau béton, où les granulats notamment sont rarement importés de très grandes distances, et on a pu observer donc, dans les coupes sur les matériaux de la tour, que c'était un résumé de la géologie des Alpes, sachant que ces alluvions viennent tantôt de Drac, de l'Isère, et donc c'est un résumé géologique de la région, une dimension qui nous paraissait intéressante de respecter pour garder l'esprit et non pas seulement la forme et le matériau. Une question primordiale donc liée à la sensibilité du béton armé au phénomène de corrosion, c'est ce qu'on appelle l'enrobage. Donc c'est l'épaisseur de béton qui protège les aciers par rapport à l'environnement climatique extérieur. Augmenter l'enrobage, c'est respecter une norme, donc qui est, suivant les localisations, entre 3 cm et 5 cm de protection autour des aciers. Dans le cas présent, on était entre 0 et 2, donc la pérennité était en cause, et donc nous avons recherché les voies et moyens d'augmenter l'enrobage avec deux solutions. Augmenter l'épaisseur, donc rajouter du béton, ça peut paraître simple, ça pose des problèmes techniques, mais également des problèmes conceptuels, dans la mesure où la richesse des documentations que l'on a du chantier provenant des frères Perret, c'est une maîtrise totale des proportions, des dimensions, et augmenter l'épaisseur, certes, ça répond à une question technique, mais ça trahit la pensée de l'auteur, ce à quoi nous nous refusons. Ou deuxième solution, déplacer les armatures, c'est-à-dire garder les côtes extérieures, avec leur fini, les surfaces extérieures avec leur fini empruntées aux traces de planches, et déplacer les armatures vers le cœur du béton pour obtenir la même valeur d'enrobage et donc de protection, de pérennité, ce qui posait des problèmes techniques tout à fait inédits. En tout cas, nous sommes obligés à passer par cette expérience de tranche d'essai pour vérifier les possibles. Dès lors que les matériaux étaient formulés, que les méthodes de réparation étaient définies, se posait la question de la matérialité, l'aspect, la cosmétique, que l'on peut considérer comme mineure au plan intellectuel, mais qui est quand même la partie la plus visible, donc c'est l'épiderme, et ont été mises en perspective deux types de mise en œuvre, soit le coffrage en planche, soit le béton projeté. Coffrage en planche, ça se rapproche du geste initial, et par contre, la difficulté dans le cadre d'une rénovation et non pas d'une construction, c'est le faible espace que l'on s'autorise entre le cœur de la maçonnerie conservée, maçonnerie de béton, et le parement en planche où on se doit d'avoir un remplissage parfait de ce volume. Donc par cette disposition de coffrage, il faut un espace minimum qui peut poser problème. Ou deuxième solution que l'on a éprouvée, c'était de sourcer un matériau industriel qui n'est pas du tout fait en principe pour les aspects de finition. Donc c'est le béton projeté, donc on utilise plutôt dans les travaux publics, avec l'objectif d'obtenir une résistance importante, un mariage très intime entre les parties rapportées et les parties existantes, mais se garder la possibilité de parmenter, de finir l'épiderme, qui se traite en même temps que la substance structurelle, par l'estampage, c'est-à-dire l'application de panneaux de planches de bois, planches tout à fait ordinaires, de manière à obtenir le couple technique de résistance et l'aspect que l'on recherche au plus proche de l'original. Les rendus, une fois ces différentes textures recherchées, ont été soumis à notre examen et effectivement on a pu, à l'aide de plusieurs tentatives, donc finir à des rendus extérieurs que là aussi on peut considérer comme mineurs mais très présents, où le blind test, pour prendre un néologisme, rend très difficile la discrimination dans des différentes techniques. Donc on a pu considérer que dès lors qu'on maîtrisait l'esthétique, le technique, le structurel devait primer. Donc à l'issue de cette tranche d'essai, nous avons pu répondre à des questions sans la pression d'un chantier principal. Il s'agissait d'un chantier de 4 mois très limité, mais nous avons pu assez librement, ce qui n'aurait pas été le cas dans le cadre d'un chantier, dans le chantier définitif, mais préalablement à s'engager dans cette piste, nous avons pu répondre à un certain nombre de questions. Peut-on travailler sur les piliers principaux au pied de l'édifice sans fragiliser la structure? L'expérience nous répond que oui. Peut-on augmenter l'enrobage en conservant les codes d'origine? La réponse est oui. Peut-on formuler un béton de chantier adapté et performant? Oui. Les résultats sont-ils reproductibles? Il ne s'agissait pas de faire un unicum et de ne pas être capable ultérieurement de le reproduire. Quelle est la méthode la plus performante en matière d'adhérence entre couches de béton neuf et ancien? Le béton projeté. Peut-on obtenir un parement type planche en béton projeté? Oui. Donc cette première séquence vous indique donc la prise de connaissance que nous avons eue de l'édifice, de poser les questions techniques et de vérifier par l'expérience si oui ou non on était en capacité d'apporter une réponse, ce qui semble être le cas. Deuxième séquence, donc je vais donner lecture d'une petite note qui tente de poser l'environnement intellectuel de ces basculements entre l'expérience et le chantier principal, avec des questions techniques, des choix qu'il faut arbitrer, et des questions intellectuelles par rapport notamment aux questions d'authenticité, donc c'est un terme qui fait référence dans le cadre du patrimoine, sachant qu'il semblerait que le béton bouleverse un peu les codes, mais donc ça va apparaître dans le corps de la petite note. Désolé, mais je dois donner lecture, ayant des difficultés de mémorisation. Donc, le projet de restauration a pour but de rétablir la tour dans son intégrité architecturale et structurelle, de rendre une espérance de vie conséquente aux matériaux constituants du monument, le béton armé, de rétablir la fonctionnalité de tour d'observation. État des lieux, la structure de la tour est particulièrement dégradée, on l'a vu sur les photos, et singulièrement les 8 piliers principaux sur leur face externe, avec des pertes de matière importantes, voire dramatiques. La situation donc potentiellement défavorable et justifie soit la réparation, soit l'abandon. Nous dessinons ici une première limite, celle de l'existence même de la tour, qui pourrait être questionnée. La seconde limite qui se dresse devant nous, dès lors que l'on a décidé collectivement de défier la première, est double. Elle fait se croiser deux curseurs en figure de ciseaux, le curseur de notre capacité à conserver et transmettre le béton, et son corollaire, celui quasi tabou de la part du feu. Habituellement, la restauration d'un monument consiste, après l'avoir documenté, à en conserver la matière pour l'essentiel et greffer les prothèses nécessaires au maintien de sa structure. La qualité d'une restauration se jauge dans les milieux de la conservation, au taux de sauvegarde maximum de la matière. Le Graal en la matière est le concept de cristallisation prometteur d'éternité. Une variante est la reproduction la plus fidèle possible des dispositions et matériaux d'origine. Fussent-ils défectueux, ce qui, au rythme lent de dégradation des matériaux traditionnels, permet d'atteindre une durabilité acceptable. Rien de tel n'est applicable en matière de conservation-restauration du béton. Le rythme de dégradation est la décennie et non le siècle. La reconduction fidèle des dispositions et matériaux originaux potentiellement vicieux est le gage de l'échec. Le nombre et l'efficacité des techniques de conservation se réduit au point de conduire à la paralysie. Obsolescence des anodes sacrificielles, de la réalcalinisation, des hydrofuges, voire des inhibiteurs de corrosion dans certaines conditions. En face d'un béton à conserver, donc il semble que le sol se dérobe un peu sous nos pieds, et de manière accélérée. Donc Elisabeth, qui à le regard du scientifique, nous expliquera les raisons de cette perte de ressources. Que faire donc? Où placer les curseurs? C'est dans ce contexte qu'il nous faut inventer le mix salutaire, envisageable dès lors que l'on accepte de casser quelques codes. Privilégier pragmatiquement les solutions pérennes et surtout se défaire des postures idéologiques qui n'ont cours que dans un contexte culturel et historique donné. La conservation de tout à tout prix, voire l'acharnement. La tranche d'essai a permis de répondre à de nombreuses questions, donc on l'a vu, je ne les reprendrai pas. Pour les protocoles de traitement du béton, l'avant-projet, donc qui est la nouvelle phase dans laquelle nous nous engageons, découlant des acquis de la tranche d'essai, associe d'une part la reconstruction architecturale des 8 piliers principaux sur leur face externe. Reconstruction est traditionnellement un gros mot dans le cadre de la conservation des monuments historiques. L'augmentation de l'enrobage des piliers par déplacement des nappes externes d'armature, le remplacement de la totalité des cadres secondaires. Et d'autre part, la conservation par PCCI, protection cathodique à courant imposé, qui est la méthode qui aujourd'hui semble subsister, je dirais presque, pour la conservation des bétons anciens, avec ses qualités techniques, mais ses contraintes. C'est un procédé qui doit être appliqué à vie, qui nécessite de l'électricité, des contrats d'entretien et une constance dans le temps pour maintenir l'efficacité du système. La restitution du couple indissociable masse épiderme trouve dans la conjugaison d'un béton structurel et d'une mise en œuvre de planches estampées sur béton frais une formule où se côtoie le primat d'une solution pérenne et un respect cosmétique de la surface de l'œuvre telle que l'a voulu Auguste Perret. Rien à voir pourtant avec la matérialité et les gestes du chantier de 1924. Une entorse à la Charte de Venise que nous impose l'émergence de la problématique inouïe en 1964 de la conservation-restauration du béton armé. Faut-il pour autant réécrire les chartes? Je ne le pense pas. Le manifeste de Nara introduit la notion de contexte et de restauration crédible à laquelle nous adhérons. Nous allons repasser, pour conclure, sur la présentation des données techniques du chantier pour illustrer donc les méthodes qui seront appliquées dans le chantier principal. Donc nous allons reconstruire partiellement. Donc sur l'image de gauche, on voit les parties grises. C'est très bien lisible, donc la partie reconstruite, donc l'extrémité des piliers extérieurs, où on va déplacer, comme on l'a fait dans la tranche d'essai, les aciers, garantir un enrobage de 4 cm de protection et obtenir un parement en planche estampée, tout très proche cosmétiquement, bien que non matériellement, de l'œuvre de Perret. En tout cas, donc c'est une disposition que l'on limite aux parties détruites ou en voie de destruction. Deuxième volet, donc la conservation. Donc j'ai, en forme de provocation, rayé ce qu'on nous a fait miroiter depuis 20 ans comme méthode de conservation du béton ancien, les anodes sacrificielles, la réalcanisation, les inhibiteurs de corrosion dans certaines conditions et les hydrofuges organiques liés à la directive REACH qui réduit les COV dans les produits industriels. Donc la protection cathodique à courant imposé, dans laquelle nous plaçons de grands espoirs, donc, qui a été illustrée donc, sur la Villa 1027, comme l'a présenté François Goven, qui a l'avantage d'avoir un recul et d'obtenir des résultats satisfaisants, mais d'être partiellement destructive. On l'a vu sur la dalle de la villa. Donc le principe général, c'est un générateur extérieur qui relie les aciers de l'ouvrage à des anodes, ici elles sont en titane, pour créer un courant électrique qui, maintenu dans le temps, permet de limiter, d'éviter la création d'un couple électrique qui attaque l'acier. Donc l'acier n'est plus d'une anode mais d'une cathode et se trouve protégé. Le procédé est intéressant, on a un peu de recul. Son côté destructif sera traité de manière telle que nous les envisageons, de limiter les saignées, les percements et la consommation de matières authentiques, mais de prendre le risque, en tout cas prendre le choix, de mettre les canalisations en apparent. Donc contrairement à ce qui a été montré, donc, où on cherchait à privilégier l'esthétique, donc on aura probablement des tubes bien dessinés et bien disposés, mais voilà, limiter l'impact sur l'édifice dans ses parties conservées. Donc pour résumer, donc voici donc un petit peu un schéma donc sur les deux types sur le même ouvrage, le pilier principal, deux techniques appliquées, l'une conservatrice et l'autre en reconstruction. Et pour terminer, donc notre posture, notre éthique par rapport à ce chantier qui s'ouvre, le primat à la pérennité des interventions, recours exclusif aux méthodes éprouvées, permettre la maintenance requise future, choix pragmatique de solutions de restauration hors esprit de système, un sujet, une solution, conservation sans compromis de l'identité générale et maintien des caractéristiques architecturales, nous avons parlé des dimensions, des détails constructifs, les parements, pour une restauration pragmatique et crédible du monument. Merci. Merci beaucoup François Boton. J'aurais quelques questions en fin de présentation pour vous. Et maintenant la parole est à Elisabeth Marie-Victoire du LRMH qui joue un rôle extrêmement important auprès des architectes en chef, un rôle de conseil éclairé. Merci Christiane. Effectivement, je suis Elisabeth Marie-Victoire, je suis responsable du pôle béton du laboratoire de recherche des monuments historiques. Et si on peut mettre le PowerPoint, je vais vous dire quelques mots sur les défis qu'ont représenté cette tranche expérimentale. Ce qu'on peut dire, c'est que, la restauration de la tour Perret, c'est un vivier d'expérimentation. Alors quelques mots de contexte et puis de pathologie sur les bétons. Ce qu'on peut dire, c'est que le béton, c'est un matériau nouveau. La découverte des premiers ciments a été réalisée à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, avec le développement d'une industrie des ciments naturels sur tout le territoire français. Et Grenoble est l'un des berceaux de cette industrie. Donc la tour Perret est l'un des emblèmes de cette industrie également. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que le matériau béton, c'est un matériau nouveau qui a été source d'expérimentation et parfois aussi d'échecs, comme dans toute expérimentation, d'avancée et de recul. Et ce matériau béton est devenu un matériau du patrimoine. Ici, vous voyez une courbe qui représente le nombre de monuments historiques en fonction des années. C'est une courbe qui a été tracée grâce au travail qui a été réalisé dans le cadre du projet européen Redmonest. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver les résultats de cette enquête dans une base de données qui est dédiée au patrimoine en béton, qui s'appelle betonconcrete.eu. Pariez avec nous sur le béton, c'est un petit peu le jeu de mots qu'on a sur cette base de données. Et les données ont été mises à jour, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2021, la France compte plus de 920 monuments historiques en béton et l'inventaire n'est pas tout à fait complet. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a un point d'inflexion avec une augmentation exponentielle à partir des années 90 de la protection patrimoniale du béton. Et la tour s'inscrit dans cette démarche, puisqu'elle a été inscrite monument historique en janvier 1975, puis classée monument historique en mai 1998. Toujours dans le cadre de ce projet européen Redmonest, on s'est intéressé à l'état sanitaire de ce patrimoine. Et l'enquête a montré que si l'état sanitaire général pouvait être bon, satisfaisant, on avait 19% du patrimoine qui était dégradé, 13% considérablement dégradé et 6% en péril. Alors de quoi souffrent ces monuments? Eh bien essentiellement de problématiques liées à la corrosion des armatures, qui est la pathologie en tout cas la plus délétère. Alors comme vous voyez sur les petites images qu'on a en dessous, hein, la corrosion va générer un gonflement du béton, de la fissuration, des épaufrures, c'est-à-dire quand le morceau est tombé, Et ça peut aller jusqu'à la rupture des armatures, comme on peut le voir sur la photo en bas à gauche. Alors c'est important dans le cadre de l'architecture, mais aussi, ça prend aussi tout son sens de s'intéresser à ces problématiques de corrosion quand on voit les deux images à la droite, qui sont des images de sculptures et de vitrail, où on perd totalement le vitrail. Et donc cette corrosion a conduit à des pertes de matière originelle irréversibles. Alors l'origine principale, les origines de cette corrosion des armatures, c'est tout d'abord la carbonatation, et puis parfois elle peut être combinée à la présence d'ions chlorure. Alors quelques mots sur la carbonatation, Monsieur Boton en a déjà dit quelques mots. C'est un vieillissement naturel du béton, donc c'est totalement inéluctable. Ça consiste en une réaction entre certaines phases du ciment dans le béton et le dioxyde de carbone qui est contenu dans l'air, et c'est en ce sens que c'est inéluctable, parce qu'il y en a partout, du dioxyde de carbone, en présence d'eau. Et ça conduit donc à une diminution de pH. On retrouve la même image hein, avec un front de carbonatation. Ici, sur cette carotte, vous voyez au centre une armature métallique. Et ce qu'on voit, c'est que le front de carbonatation a atteint les armatures. La carbonatation en soi, ce n'est pas vraiment un problème. Ça n'est un problème que quand elle atteint les armatures. Donc on parle d'un front de carbonatation. Et donc la tour Perret n'échappe pas à cette pathologie, effectivement, on l'a vu, on a une corrosion des armatures, un gonflement du béton, des ébouffrures et puis des délaminations au droit des armatures. Pour ce qui concerne la tour Perret, l'origine de ces pathologies, et les origines sont doubles, on a des origines qui sont d'ordre chimique, donc avec une carbonatation qui allait de 23 mm à 150 mm, donc ça peut être très très avancé hein, sur certaines zones de la tour, avec un sous-enrobage des armatures, avec des valeurs qui vont de 5 à 95 mm. Souvent, on est inférieur à 20 mm. Quand on compare à la carbonatation qui est à 23 mm pour la valeur minimale, on comprend très vite que la majorité des armatures sont dans du béton carbonaté. Et puis, ce qu'on a pu également constater, c'était une pollution sulfatée considérable, souvent supérieure à 4% par rapport à la masse de ciment, qui est le seuil pathogène pour les ciments. Et localement, on a été jusqu'à 15%. Et cette présence de sulfate, elle a un impact sur le choix des matériaux de réparation, puisqu'en fait, elle va interdire certains types de ciments qui pourraient réagir avec cette pollution sulfatée. La deuxième origine, c'était une origine mécanique. Ce qu'on dit hein, généralement, et ce qui est vrai d'ailleurs, c'est que les armatures et le béton, ça fait bon ménage, parce qu'en termes de dilatation thermique, on est très proche. Et ce qu'on peut voir sur cette courbe, c'est qui représente en fonction d'une élévation de température la dilatation. On voit apparaître en bleu le béton et puis en orange les armatures. Et on voit qu'on a deux courbes qui divergent. C'est-à-dire que finalement là, armature et béton ne se dilatent pas de la même façon. Et donc cette dilatation thermique différentielle a été aussi une des sources d'altération qu'on a pu observer sur la tour. Et puis il y a également la problématique de la rupture des cadres qui a déjà été évoquée par M. Boton. Alors cette corrosion, une fois qu'on la constate, bien, il faut pouvoir la mesurer pour pouvoir éventuellement l'anticiper. Et ça a été un second défi de la tour Perret, les défis du diagnostic. Alors d'un point de vue plus général, le diagnostic de corrosion, ça se fait avec des outils tels qu'on peut les voir sur les trois images qu'on a à droite. C'est du contrôle non destructif par des techniques électrochimiques, des mesures de résistivité, de potentiel et de résistance de polarisation, et qui se font in situ et de façon ponctuelle. Alors, le problème, c'est que ça représente un instantané de l'activité de corrosion au moment où on fait les mesures. Sauf qu'on sait que ce mécanisme de corrosion, il est évolutif dans le temps et au fur et à mesure du vieillissement du matériau. Et notamment en fonction d'épisodes de pluie. Et partant de ce problème-là, il a été clair qu'il devenait nécessaire de s'intéresser à du monitoring dans la durée. C'est-à-dire être capable de mesurer la corrosion, non pas à un seul moment, mais dans la durée, au moins à l'échelle d'une année. Donc ça voulait dire développer de nouveaux outils et puis d'assurer la fiabilité de ce diagnostic, puisque les conclusions aussi en termes de choix de restauration vont être fondées sur la qualité de ce diagnostic. Alors ce qu'on peut dire, c'est que c'est un défi qu'on essaie de relever à une échelle internationale. Il y a vraiment un contexte international de recherche et de développement sur ce type d'instrumentation. Ici, ce que vous voyez, c'est l'exemple du palais d'Iéna, qui a été instrumenté par une société espagnole qui s'appelle Sensecor. Et ce qu'on peut voir sur toutes ces images, eh bien, c'est deux types de capteurs hein, qui nous permettent d'avoir les mêmes données que celles qu'on obtient par contrôle non destructif, avec également des mesures de température et d'humidité dans le béton, le tout étant relié à une centrale d'acquisition qu'on peut interroger à distance et avec une alimentation avec des capteurs solaires. Et la tour Perret a donc été également un champ d'expérimentation pour ce type d'instrumentation, avec de nouveaux outils de diagnostic de la corrosion qui ont été expérimentés. Alors ici, je remercie le LERM hein, qui m'a permis d'utiliser ces images. Et au travers d'un projet qui s'appelait Diamond, il y a eu de nouvelles sondes qui ont été développées, qui permettent des mesures de potentiel résistivité, vitesse de corrosion, comme ces fameux contrôles non destructifs. Ce qu'on voit juste à côté, c'est une station miniaturisée qui s'appelle Captae, qui permet des mesures, mais aussi de stocker l'acquisition et le stockage de données sans fil, avec une retransmission sans fil. Et voilà le type de données que ça peut permettre d'obtenir. Ici, ce que vous voyez, ce sont des mesures de potentiel au cours du temps, et ce qu'on voit à l'échelle de plus d'une année. Et ce qu'on peut voir sur cette courbe, c'est qu'on a des valeurs de potentiel qui sont indicatives d'une corrosion des armatures, mais une corrosion avec des vitesses relativement faibles, ce qu'on a pu voir par des mesures de vitesse de corrosion. Ce qui a été également montré, c'est une claire corrélation entre les conditions d'humidité, de température et ces phénomènes de corrosion. Donc le dernier défi est évidemment celui de la restauration de la tour. Et ce défi, ça a déjà été évoqué ici. Le tout premier, c'est de respecter la Charte de Venise et puis son corollaire de Madrid, c'est-à-dire de conserver le matériau d'origine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la restauration plus classique d'un béton, on n'a pas forcément d'état d'âme à purger massivement le béton. Donc là, vraiment, le défi, c'est de préserver ce béton plutôt que d'essayer de le purger. Ça nécessite le développement de techniques et de produits de restauration qui soient dédiés, en tenant compte du fait que ces bétons historiques ont souvent des performances extrêmement modestes au regard des bétons qu'on est capable de fabriquer aujourd'hui. Donc pouvoir être compatible avec ces bétons anciens, c'est souvent compliqué. Souvent, on a une carbonatation très avancée. La tour Perret en est un exemple, 150 mm de carbonatation, c'est énorme. L'impact de diverses pollutions, des pollutions sulfatées. Ici, on n'a pas de pollution chlorée, mais en bord de mer et avec des salles de déverglaçage, on a d'autres types de pathologies qui peuvent s'installer. Et puis, la problématique de l'intégration esthétique. Ça nécessite aussi le développement de savoir-faire des entreprises, des maçons et des compagnons pour venir dans ce nouveau métier qui est la restauration des bétons. Après, le dernier problème, c'est évidemment la pérennité de cette restauration. Alors, il y a un projet européen qui s'appelait ConRepNet, qui a montré il y a quelques années que la durabilité des réparations, alors qu'on appelle souvent patch repair, hein, ça consiste à purger le béton altéré, traiter l'armature, et puis il faut venir réappliquer soit un mortier, soit un béton de restauration. Et les conclusions de cette étude, c'était que la durabilité des patch repair était très souvent inférieure à 10 ans, voire même à l'échelle de quelques années. Donc, ce qui a été aussi montré par diverses recherches à une échelle internationale, encore une fois, c'est qu'il existait des techniques et produits complémentaires que M. Boton a cités, hein, tels que la réalcalinisation et les inhibiteurs de corrosion, qui se sont révélés parfois inefficaces ou inapplicables. Alors la porte n'est pas complètement fermée pour certaines de ces techniques, mais par exemple, les inhibiteurs de corrosion ne peuvent pas être appliqués en milieu sulfaté ou en milieu chloruré. Donc le champ des possibles est très très limité. Alors, quand même, un petit point positif, c'est... mes voisins sourient. Un petit point positif, on peut dire que c'est une recherche qui est toute jeune. C'est-à-dire que si on compare à de la restauration de matériaux plus anciens, enfin, en tout cas, qu'on a conservé depuis bien plus longtemps, tels que la pierre, par exemple, la recherche sur la conservation des bétons anciens, elle a seulement été initiée à partir de la fin des années 90. Et ce qu'on peut voir, ce sont de nets progrès. Ce que vous voyez sur l'image de gauche, c'est la restauration de l'église Notre-Dame du Raincy dans les années 90, qui d'ailleurs montre une très bonne durabilité, mais esthétiquement, on a une intégration qui peut être questionnée. Au centre, on a une image de l'église Saint-Joseph du Havre, qui a été restaurée dans les années 2000, où là, l'intégration de la restauration est bien meilleure. Et puis à droite, le palais d'Iéna, restauré plus récemment, en 2015-2016, où je vous mets au défi de trouver la zone qui est restaurée, alors même qu'il s'agit de béton bouchardé, ce qui est extrêmement difficile à restaurer. Donc on voit qu'on a de nets progrès à la fois dans la qualité des matériaux de restauration, mais aussi dans les savoir-faire. Et la tour Perret a donc constitué là aussi un champ d'expérimentation avec une approche qui a été testée autour de la tranche expérimentale, qui a très bien été expliquée par M. Boton, qui implique de reculer les armatures et de travailler sur du béton projeté. Et puis une approche complémentaire à tester pour la suite, qui a également été expliquée, donc qui est la protection cathodique par courant imposé en milieu très résistif. Et c'est ça la nouveauté, c'est-à-dire que cette protection cathodique par courant imposé, c'est souvent utilisé dans des milieux qui sont pollués par les chlorures et où le béton est assez peu résistif. Là, la difficulté, ça va être finalement de travailler dans un matériau qui est relativement sec et totalement carbonaté. Donc ici, vous voyez en quoi consiste cette implantation avec l'installation d'anodes telles qu'on peut le voir à gauche, et puis aussi d'outils qui permettent de suivre finalement le courant qu'on injecte avec des électrodes de référence. Parce qu'effectivement, il s'agit d'injecter un courant pour en quelque sorte contrôler la corrosion. C'est-à-dire qu'on va injecter ce courant de façon à atteindre un potentiel dit de protection. Effectivement, il faut le maintenir au cours du temps et puis le réguler en fonction de l'activité de corrosion. Et on a vu qu'au cours d'une année, en fonction des épisodes de pluie, elle ne va pas être forcément uniforme. Alors pour conclure et pour aboutir à quelques perspectives, ce qu'on peut dire sur ce chantier expérimental de la Tour Perret, c'est qu'il a contribué au développement de nouveaux outils de diagnostic de la corrosion. Il a permis le développement de solutions de restauration taylorisée avec du béton projeté, le développement aussi de savoir-faire dans leur mise en œuvre avec un matrissage de planches pour obtenir un aspect esthétiquement acceptable. Et puis ça a permis surtout l'élaboration d'un protocole de restauration optimal pour la tour. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est une synergie exemplaire entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, laboratoire et entreprise. Et pour conclure, ce type de tranche expérimentale, ça représente finalement une méthodologie à dupliquer sur d'autres chantiers, puisqu'on en voit tous les apports et tous les bénéfices. De nouveaux outils de diagnostic et de nouvelles techniques de restauration ont pu être développés. Et puis le prochain défi, ce sera donc celui de la durabilité. Ce qu'on peut évoquer sur cette question de la durabilité, c'est qu'elle s'inscrit dans un contexte de recherche internationale, mais aussi de certification. Et pas uniquement la durabilité des restaurations, mais aussi, je vous ai parlé de diagnostic et d'outils pour le diagnostic. Alors ce qu'on peut citer, ce sont trois projets nationaux qui s'appellent respectivement APOS, Canopée et PERFDUB, dans le cadre desquels de nouvelles techniques d'instrumentation de la corrosion par capteurs noyés notamment sont en cours de test dans des milieux carbonatés et chlorurés. Pour ce qui concerne la durabilité des restaurations, on a également des projets à une échelle nationale, Acrobat, et internationale, PEPS. Et dans le cadre de ces deux projets, on s'intéresse à un retour sur expérience, sur des restaurations passées, pour essayer de comprendre les raisons du succès ou les raisons de l'échec de la restauration. Et par exemple, dans le projet PEPS, on croise des regards des différents partenaires, avec des partenaires américains, anglais et puis la France, qui ont des approches totalement différentes, mais aussi des techniques totalement différentes de restauration, et c'est fort instructif. Alors ici, je vous ai mis juste un petit exemple, encore une fois, pour amener du positif à tout ça, avec les maisons Jaoul, à Neuilly-sur-Seine, qui ont été construites par Le Corbusier entre 1953 et 1955. Et ce qu'on peut voir sur l'image de gauche, c'est une restauration qui date de 1991. Il y a une nouvelle restauration en 2018, et dans le cadre de ce projet PEPS, on s'est intéressé à ces restaurations de 1991. Ce qu'on peut dire, c'est que, contrairement à Conrepnet et ses fameux 10 ans fatidiques, eh bien là, on a eu des restaurations, des patchs en tout cas, qui ont montré une extrêmement bonne durabilité, jusqu'à 27 ans donc de durabilité pour certains patchs. Alors, dans certains cas, il a fallu quand même refaire, purger et de nouveau restaurer très très fort, mais il y a certains patchs qui ont pu être conservés après 27 ans. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette tranche expérimentale et tous ces travaux autour de la Tour Perret, ça s'inscrit également dans un contexte de certification. Ce qu'on peut évoquer, c'est un label Calibat qui a été élaboré ces dernières années autour de la restauration et de la réparation du béton. Donc maintenant, on va pouvoir certifier des entreprises pour cette spécialité. Ce qu'on peut aussi évoquer, on a parlé de la protection cathodique par courant imposé, et ce qui est fort intéressant pour cette technique, qui est utilisée depuis bien longtemps dans d'autres domaines, notamment les ouvrages d'art ou des ouvrages industriels, c'est qu'en fait, on a une certification à la fois des dimensionneurs et des opérateurs au travers du Centre français de l'anticorrosion, le CEFRACOR. Et puis pour terminer, on peut aussi évoquer de la production scientifique et technique qui ne cesse d'augmenter avec une petite nouveauté, avec un guide technique qui vient d'être publié par le groupement des entreprises de monuments historiques et la Fédération française du bâtiment, qui s'appelle « Les bétons du patrimoine ». Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous remercie de votre invitation à cette table ronde. Merci beaucoup pour cette intervention qui nous a permis d'être très optimistes sur l'action que nous menons en France. Et il est vrai que par rapport aux 44 000 monuments historiques classés qu'on a en France, le nombre d'édifices en en béton est très important. Et j'aimerais que Cédric Avenier puisse nous lire les questions qui ont été posées par la salle, mais moi j'ai quelques questions aussi, parce que on a ici l'impression que cette tranche d'essai qu'a menée François Boton arrive à un moment où on a un peu oublié les études passées. Moi, j'avais des questions sur, par exemple, les études sismiques. On en a parlé avec le prédécesseur de François Boton. Il semble bien qu'il n'y ait pas de danger sismique sur la tour. Donc, c'est peut-être une question sur laquelle on mérite d'avoir une réponse, même rapide. Et est-ce que François a des questions? Entre nous, est-ce que vous souhaitez que des questions soient posées? Alors. Oui, on a deux questions qui sont arrivées sur le chat. Donc la première, c'est, je vous la lis, l'option qui consistait à épaissir les piliers posait-elle un problème structurel, notamment de poids relativement aux fondations? Donc voilà, ça c'est une première question sur les fondations. Je vous pose on peut répondre à ça, puis on prendra la seconde après, oui. Tout à fait. Alors, la question de cette solution d'épaississement des piliers, c'est une solution par défaut dès lors que la solution que je considère comme étant de base, celle qui conserve les cotes originales de l'œuvre, n'aurait pas été atteignable. Alors effectivement, un argument, c'est celui du poids. Donc on a calculé qu'augmenter de 2 cm les piliers structurels principaux aurait augmenté de 76 tonnes le poids à reprendre en sous-œuvre. Et donc en l'état, sans intervention sur les fondations, nous serions dans l'incapacité de justifier le fait que les fondations sont capables de reprendre ces 76 tonnes supplémentaires. Dans l'hypothèse où on travaille sur une reprise en sous-œuvre pour d'autres raisons sur la tour, il reste que les calculs devront être faits en prenant en compte ces 76 tonnes supplémentaires. Donc effectivement, pour répondre à la question, c'est une difficulté en termes structurels. C'eût été une difficulté en termes structurels. Dans l'étude, il y a tout de même un projet de reprise des fondations, mais elle tient compte du poids actuel sur les fondations. On est en AVP et pour des raisons de stabilité liées aux fondations, un travail de reprise en sous-œuvre qui initialement n'était pas prévu va devoir être conduit. Et on s'aperçoit que dans les différentes solutions envisagées, notamment les micropieux, la surface de contact entre les micropieux et la structure est insuffisante. Si on rajoute à cette situation déjà défavorable la nécessité de reprendre 76 tonnes de plus, on serait dans une difficulté. Donc, dans tous les cas, c'est un problème. Je vais peut-être, comme j'ai la parole, la conserver, c'est par rapport à la question du sismique donc, qui a été étudiée, donc il sera normal que la modélisation ne soit pas faite. Ça a été fait. Il se trouve que, réglementairement, l'Eurocode 8 n'est pas applicable aux édifices existants. Toutefois, dans les travaux qui vont être menés, des éléments très importants vont être réalisés qui participent du durcissement de la tour aux effets du vent et du séisme. C'est notamment le remplacement de la totalité des cadres qui participent de la résistance de la structure ou à l'effort tranchant, donc qui était une faiblesse notoire révélée par les études de 2011. Donc elles n'ont pas été négligées mais prises en compte. Et deuxième élément, il nous avait été indiqué dans ces études que le point le plus critique par rapport à la sécurité publique, c'était dans le cadre d'un séisme d'intensité modérée, de la libération des claustrats peu armés, qui sont des éléments constitutifs et potentiellement dissociables de l'édifice. Donc dans le cadre des travaux, on va durcir également la liaison des quelques armatures qui quadrillent le damier des claustrats pour les relier à la structure. Donc on ne sera pas conforme à l'Eurocode 8, mais ce qui était faisable dans le cadre d'un chantier tel que le programme l'a été établi sera fait, avec une augmentation notoire de la résistance de l'édifice au vent et au séisme. Merci beaucoup François, vous avez répondu à une question qui me tenait à cœur. Nous avons d'autres questions qui sont arrivées. Oui, alors, étant donné que la matière apparente est largement perdue sur les piliers, quelle est la part de l'authenticité dans la restauration-reconstruction ? Bon, j'ai noté effectivement qu'il y avait effectivement des questions techniques et des questions éthiques, notamment par la question de l'authenticité. Alors je ferai une remarque d'ordre général. On voit que les techniques évoluent. Je crois que les concepts évoluent également. On a parlé de Nara, la contextualisation, la sortie d'une vision très ethnocentrée de la conservation de la matière est quelque chose qui évolue. Nous avons une pensée linéaire. Les choses vont dans le temps. Si ça se dégrade plus, on augmente la dose, que ce soit en médecine ou en restauration de monuments historiques. Contrairement à d'autres civilisations où on ne considère pas les choses de manière linéaire, mais plutôt cyclique. J'ai commencé mon intervention en traçant le cycle de la tour Perret. Je pense qu'on a atteint l'extrémité d'un cycle, ce qui justifie dans une vision un peu élargie de la question d'authenticité, l'autorisation intellectuelle à de faire quelques entorses au principe de conservation maximum de la matière. Dès lors, et je l'ai indiqué, de manière très pragmatique, le primat va à la pérennité des actions, surtout sur une tour de 84 mètres de haut que l'on ne traite pas comme un abri de jardin de 2 mètres de haut, parce qu'on veut sécuriser les résultats escomptés. Et donc effectivement, on est dans un système où ces primats de la conservation intégrale de la matière peuvent être contredites. Je suis tout à fait à l'aise avec ça. Et je crois que voilà, c'est une question d'agilité culturelle et mentale, d'accepter ces entorses qui ne sont que des entorses à des règles qui ont été établies à un moment donné dans une civilisation donnée et qui n'est pas aussi universelle qu'elles auraient voulu être à l'époque. Il faut quand même dire que l'état des piliers, pour quelqu'un qui les a vus en détail aujourd'hui et sous le soleil, nécessite une intervention forte. On n'a pas là à mettre en danger la totalité de la tour pour essayer de conservation maximum. Oui, je voudrais juste dire un ou deux points sur, enfin faire une ou deux remarques, pardon, sur ces questions. Alors c'est vrai que la question de l'authenticité, elle se pose sur le béton, mais enfin elle se pose à peu près sur toute une série de composants de l'architecture, disons, issue du mouvement moderne et de la période, enfin disons post-période industrielle. Ce que l'on évoque ici sur le béton, on va le retrouver sur un certain nombre de questions dans d'autres technologies. En revanche, il y a quand même, par rapport aux chartes, conventions internationales qui maintenant sont multiples, et petite parenthèse, je vous invite à lire, je fais un peu de pub, le prochain numéro de la Revue Monumentale, puisqu'elle est consacrée, elle consacre à peu près 120 pages à la question de la réception et de l'actualité de la Charte de Venise. Donc nous abordons évidemment ces questions, et notamment les questions qui se posent autour d'un patrimoine plus moderne, du document de Madrid dont Christiane Schmuckle Mollard faisait l'écho. J'ai envie de dire des documents de Madrid, puisque c'est intéressant de voir qu'il y en a trois rédactions successives, mais au-delà de tout cela, il y a quand même un élément, et c'est ce qui vient d'être dit, c'est que dans un cas comme celui de la tour Perret, il en va de la conservation même de l'objet. C'est-à-dire que c'est autre chose que de se questionner sur des problèmes de doctrine fine de présentation. Lorsqu'il y a risque quant à la pérennité même de l'objet, sur le plan structurel, forcément, l'approche doit être un peu différente. Et si je dis cela, c'est parce que, pour avoir participé à un certain nombre de comités scientifiques ces dernières années sur des restaurations d'éléments majeurs de l'architecture du XXe siècle, nous sommes arrivés à un consensus international, je dis international puisque nous avions souvent quelques experts internationaux, européens ou autres, sur un point d'accord à peu près consensuel, c'est qu'à partir du moment où il y a un risque pour la pérennité même d'un ouvrage, c'est-à-dire que si on ne fait pas quelque chose, c'est l'ouvrage même dans son concept patrimonial, voire physique, qui disparaît, évidemment, il faut trouver une solution de substitution. Ça paraît une évidence, mais enfin, il y a eu quelques restaurations faites ces dernières années, ou parce que nous avions, et j'en suis moi-même, enfin, j'ai moi-même participé, nous avions fait le choix d'une cristallisation, le mot a été évoqué, la plus fidèle possible à l'état et l'état existant. Dès lors que ça ne répondait pas à des questions de dégradation de l'objet qui pouvait aller jusqu'à sa disparition, évidemment, on est obligé de trouver une autre solution. Donc ça, c'est le premier point, et on est là en face, a fortiori sur un édifice de cette hauteur, avec un risque pour le public. Au-delà même de la question patrimoniale, il y a un risque évident en termes de sécurité publique, donc il y a forcément une approche un peu particulière à avoir. Et puis l'autre point, c'est effectivement sur la question de la doctrine. Tu as évoqué le texte de Nara par rapport à un regard moins européen, en quelque sorte, sur le patrimoine. Mais là, je crois qu'on est plus dans les questions qui ont été au cœur de la réflexion récente sur les documents de Madrid, qui est comment doit être, de façon privilégiée, doit être plutôt privilégiée en matière de restauration d'une architecture du XXe siècle, la question du sens. Partant de l'idée, et c'était un peu le dénominateur commun de toutes les réflexions, à partir du moment où on a cette idée, peut-être imparfaite ou peut-être un peu fausse, mais que nous maîtrisons mieux, nous percevons mieux le sens d'une architecture très récente, ce qui est après tout relativement normal, puisque nous avons encore des témoignages oraux, nous avons une quantité d'archives relativement importante qui nous permettent de mieux comprendre le sens même de la production d'un objet architectural. Il y a possibilité de privilégier la question du sens sur la question de la matière. C'est dit, enfin, parmi les textes, disons, périphériques à la rédaction du document lui-même. Et évidemment, on est là en plein dans la question d'aujourd'hui, puisque, par exemple, doit-on privilégier, pour conserver la matière originelle, une modification de la géométrie exacte de l'édifice? À l'évidence, ça n'a pas de sens. Travestir le projet d'origine sous prétexte de garder une partie de la matière serait, d'une certaine manière, un contresens pire. Donc, voilà, dans le cas de la Tour Perret, il y a à la fois cette question de la conservation même de l'objet architectural qui est en jeu, au risque, si l'on n'a pas une solution satisfaisante et relativement pérenne, de voir disparaître, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, l'élément que l'on veut conserver. Et puis d'un autre côté, ce regard sur les adaptations qu'il convient, et le sens en particulier qu'il convient d'y apporter. Je dirais enfin, et ça avait été précisé, qu'on parle essentiellement ici, on a parlé essentiellement ici des grands éléments structurants de la tour. En revanche, il y a toutes sortes d'autres parties sur lesquelles, dans l'édifice, la matérialité, la recherche de la conservation de la matérialité sera beaucoup plus présente, donc ce qui permet aussi de conserver, me semble-t-il, un équilibre acceptable. Merci beaucoup, François Goven. Sur cette question, Elisabeth Marie-Victoire. Oui, peut-être je peux rajouter un mot, en fait. La problématique, c'est de conserver. Sauf que pour pouvoir démarrer une restauration sur ce type d'ouvrage, on va démarrer par une purge. Et ce qu'on dit, en fait, dans les textes, c'est qu'on va purger jusqu'à trouver le matériau sain. Et peut-être, Monsieur Boton, vous pouvez redire quelques mots. En fait, dans le cas de la tranche expérimentale, à la purge, il y a énormément de matière qui est tombée de facto. Donc, de toute façon, c'était une matière qu'on n'allait pas pouvoir conserver quoi qu'il arrive. Et je peux citer aussi le cas de la Halle Boulingrin à Reims, où il a été question aussi de restauration, de purger jusqu'à trouver le matériau sain. Et en fait, on a traversé la voûte. Et régulièrement, on a traversé la voûte parce qu'on ne l'a jamais trouvé. Et donc, ça a impliqué aussi tout un contexte de chantier où il a fallu consolider pour pouvoir continuer à purger. Donc, ça c'est une première difficulté. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a une partie de cette matière qui était perdue d'office. Et puis... Le second point, c'est que peut-être qu'encore une fois, on peut revenir au point de vue de nos collègues anglais et américains. Je vous disais que les pratiques sont différentes, la perception est différente. Nous, on continue en France à faire de la réparation par mortier de réparation, très ponctuel, sans trop dégager tout autour de l'armature. Et en fait, les collègues américains et anglais ont totalement abandonné ce type de réparation. Ils coulent systématiquement du béton parce qu'ils estiment que la pérennité passe par le fait de couler du béton. Donc il y a aussi cet aspect, effectivement, si on fait finalement de la cosmétique, et qu'il faut y revenir tous les ans, à la fin, en termes de déontologie, combien de matières premières, de matières initiales nous restera-t-il? Donc c'est un vrai débat. Et c'est un débat déontologique, mais c'est aussi un débat technique. Donc en conclusion, nous sommes à mi-chemin entre la démolition à l'anglo-saxonne et la restauration purement cosmétique. C'est le bon sens qui gagne. C'est le bon sens qui gagne. Alors après, ce n'est pas de la démolition. Je ne suis pas en train de dire non plus que les collègues américains et anglais détruisent complètement leur monument. Ce n'est pas le cas. Mais c'est un choix parfois de purge un petit peu plus importante, effectivement, pour conserver l'édifice en lui-même. En Allemagne aussi, enfin, vraiment presque partout. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions qui nous sont parvenues? Oui, alors il y a des questions très diverses. On va prendre celle-là, en fait. C'est les techniques exposées sont-elles vouées à un usage plus élargi? Les compétences techniques s'étendent-elles dans les savoir-faire des entreprises? Il y a-t-il des qualifications d'entreprise à préconiser? Qui peut répondre sur les qualifications d'entreprise? Alors des qualifications, encore une fois, hein, c'est ce que j'étais en train d'évoquer, il va y avoir une qualification Calibat, et je pense qu'elle est parue au printemps ou cet été, ou si ce n'est pas le cas, elle est dans les tuyaux, comme on dit. Donc cette certification, elle va permettre d'avoir des entreprises qui seront peut-être plus performantes, en tout cas qui auront des références. Et c'est très bien, ça s'inscrit dans une dynamique d'augmenter la qualité de la réparation, de la restauration des bétons, et de s'intéresser à cette spécialité, parce que c'est une spécialité en soi. La restauration des bétons, c'est encore un autre métier que construire du béton. Après, comme je l'ai dit, hein, il existe pour la protection cathodique une certification. Une protection cathodique, ça se dimensionne, et puis ça se met en place. Donc ça se calcule, donc on doit être certifié pour pouvoir calculer, et on doit être certifié également pour appliquer. Donc cette certification, elle existe, et à l'échelle internationale également. On a une autre question sur les questions de doctrine, donc je vous la lis. Que la doctrine soit interrogée au titre de la conservation s'entend. Mais pourquoi restituer dans le pastiche d'un geste l'impression de la planche qui dénote d'un geste qui n'a pas eu lieu dans la présente mise en œuvre? Donc ça fait trait notamment à la question de l'étampage dans la mise en œuvre du béton projeté. Je ne suis pas sûr d'être en capacité d'apporter une réponse. En revanche, je comprends parfaitement la question. Enfin, si je la reformule, c'est en gros quel sens il peut y avoir à faire semblant de donner un épiderme, qui en réalité est totalement artificiel, puisque s'il avait un sens par rapport au coffrage au moment où on a fabriqué l'objet, aujourd'hui il n'en a plus, puisqu'on fait du béton projeté et que l'on crée artificiellement un aspect d'épiderme de banche sur une projection, alors que la logique, évidemment, totale sur le plan technique serait d'avoir l'aspect d'un béton projeté. Voilà la question. Le fait de l'artificialité de l'estampage de planches, c'est de ne pas se substituer à Perret, qui, s'il avait voulu un ouvrage lisse, il aurait eu quelques années d'avance par rapport à ses confrères, et que la texture fait partie de la pensée. Mais je comprends la question en termes intellectuels, mais je n'assume pas de laisser des pans unis ou non homogènes à l'ensemble de l'œuvre dans le cadre de cette restauration. Moi, je voulais dire aussi que ce matin, nous avons vu la tour avec des travaux qui ont été réalisés en béton lisse, et cet aspect-là est extrêmement choquant par rapport à l'aspect général de l'édifice. Donc si on avait les grandes les grandes structures complètement lisses pour une question de vérité, d'intervention à une date donnée, on ne verrait plus que ces éléments-là au détriment de l'architecture de Perret. François Goven. Oui, enfin, ce que je voulais dire, ça va un petit peu dans le même sens, c'est que la question est une question effectivement qui est terrible, qui en réalité se pose en permanence, a d'ailleurs été sur ce point particulier de l'intervention sur le patrimoine moderne, je reviens à la revue que nous allons publier, décrit avec cruauté par Rob Krier, qui montre comment l'approche de la restauration des édifices modernes est en fait ce qu'il appelle un viol de l'œuvre, puisqu'il a une citation en disant « on restaure aujourd'hui ». Son propos date de 1990, c'est de la provoque, hein, c'est un propos polémique. Mais il dit en gros, on restaure aujourd'hui les édifices modernes avec des techniques anciennes. C'est un peu comme si on voulait restaurer un tableau de Francis Bacon avec les techniques du XVe siècle. Alors il a eu un développement assez long sur le sujet. Mais c'est évidemment un peu réducteur parce que dans la réalité, autant en termes de production architecturale, la question de... qui a été posée est totalement légitime, c'est-à-dire qu'une intervention nouvelle qui va se faire sur une architecture qui n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance patrimoniale n'aurait aucun sens, effectivement, de se faire sous une forme mimétique de ce qui a existé, encore que c'est une manière qui peut, parmi d'autres, mais en tout cas, elle n'a pas de vraie légitimité. Je pense que là où il y a une différence assez claire, c'est lorsqu'il y a une reconnaissance patrimoniale forte, en l'occurrence un classement au titre des monuments historiques sur un édifice, qui, qu'on le veuille ou non, est une manière de cristalliser un moment de l'histoire. Donc, il y a aussi une dimension esthétique et historique dans le classement au titre des monuments historiques. Et aujourd'hui, et par rapport à ce que l'on évoquait en matière de sens que peut avoir un édifice, et c'est ce qui vient d'être dit par Christiane, c'est évident que si, pour des raisons de totale lisibilité et d'approche intellectuelle, on laissait à l'état de béton projeté l'ensemble des éléments structurels de la tour, on aurait un tel détournement du sens historique de l'édifice qu'à peu près, peut-être, on pourrait se satisfaire de la pureté de la démarche, mais toute personne passant devant ne comprendrait plus l'édifice tel qu'il a été conçu et construit. Et la vocation, a priori, d'une protection patrimoniale, c'est entre autres, c'est pas seulement, mais c'est entre autres cette compréhension-là. Donc c'est bien pour ça qu'il n'y a qu'un nombre mineur d'édifices en ce bas monde, Dieu merci, qui sont protégés et font l'objet de cette en partie mise sous cloche. Il y a effectivement cet aspect-là des choses, mais intellectuellement ça peut se comprendre, mais on aurait un tel détournement de sens qu'à ce moment-là on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on garde l'édifice. En revanche, et c'est mon dernier point, le corollaire de tout cela, c'est qu'il y ait une documentation parfaitement claire en termes de consignation de la mémoire des interventions, ce qui parfois a pu faire défaut dans notre propre histoire, c'est-à-dire que 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, on ne sait plus exactement ce qui a été fait ou pas fait. Donc à partir du moment où il y a, et je pense qu'un exercice comme celui d'aujourd'hui d'ailleurs contribue à cette consignation de la mémoire, donc il faut remercier les organisateurs, c'est cette consignation de la mémoire, cette précision dans la date, la manière, la technologie avec lesquelles se sont faites ces interventions qui permettra de garder cette lisibilité, mais pas sur un plan, disons, visuel ou esthétique qui serait un contresens qui ne pourrait, me semble-t-il, pas être accepté sur un édifice de cette importance, de cette signification et faisant l'objet de ce type de protection institutionnelle. En fait, je voudrais préciser que ces planches, ce n'est pas un décor, c'est la mémoire de la pensée de Perret pour l'exécution de l'édifice. D'ailleurs, on parle de documentation, qui est totalement documentée au sens de la planche près. Cédric Avenier nous a éclairé en nous interprétant ces documents. Les planches sont verticales à l'extérieur avec des manchets de 7 mètres et le béton était rempli par l'arrière au fur et à mesure du rebouchage par des planches horizontales sur la face intérieure. Pareil pour les piliers de support d'ascenseur. Donc garder la trace de ces éléments-là, pas garder un décor, c'est vraiment d'autant dès lors que c'est documenté par les documents d'origine, l'effacer me paraît un auto-da-fé. Voilà. donc je défends non pas la présence d'un décor, mais on est vraiment dans la question du sens. Et la pensée de Perret, qui est autant entrepreneur qu'architecte, nous a laissé des documents d'une telle précision que, pour des raisons idéologiques, passer un coup de barbouille et effacer tout le pan de cette pensée me paraît criminel. Donc j'assume totalement la reconduction de ces planches dans le bon sens, dès lors qu'elles sont dans le bon sens et qu'on a compris pourquoi elles sont dans un sens d'un côté et dans l'autre sens de l'autre. Je voulais simplement dire que nous nous sommes posé la question à l'association Auguste Perret de savoir si nous devions compléter les archives de Perret, qui sont à l'IFA, par justement ce type d'archives qui n'ont peut-être pas vocation à aller aux archives des monuments historiques, mais plutôt à compléter le fonds Perret. C'est une question dont on devrait débattre sérieusement. Est-ce que nous avons encore quelques questions ? Alors on a des réactions effectivement très intéressées par rapport aux propos, donc des interrogations sur comment le sujet est abordé en Italie, une intervention qui nous dit qu'en complément de la Charte de Venise, à la lumière des différents enseignements cités lors de la conférence qui démontre une forme de maîtrise nouvelle de la restauration des bétons, est-ce qu'il y aurait une future charte de Grenoble? Au-delà de ces questions d'ordéontologie, il y a aussi des questions techniques, notamment il y en a une qui change un peu de sujet, mais c'est notamment, on nous demande de préciser l'objectif technique de la reprise en sous-œuvre envisagée. Objectif technique de l'intervention en sous-œuvre sur les fondations. Donc le programme de restauration n'incluait pas d'intervention sur les fondations. D'ailleurs, il y a eu peu de reconnaissance. Et donc, il se trouve que de manière conjoncturelle, à l'occasion de la modélisation 3D de l'édifice, nous sommes aperçus qu'il y avait un décalage pluridécimétrique entre l'axe du sommet et la base de la tour. Donc, ce décalage nous a laissé penser qu'il y avait peut-être une inclinaison de la tour. Donc, ce qui s'est vérifié par la prise de certaines côtes, notamment la non-planéité de la casquette couvrant au rez-de-chaussée haut. Et donc, j'ai suggéré à la ville de faire une investigation géotechnique de type G5, enfin une intervention d'acquisition de connaissances G5, qui a été réalisée, qui nous a, dès lors qu'on l'a confronté les résultats aux archives, on a un petit peu débriefé tout ça, sachant que la documentation nous indiquait un objectif d'atteindre du substrat alluvionnaire à 11 mètres. Il semblait que, en tout cas sur certaines parties, les pieux battus, qui étaient donc les fondations d'origine, se seraient arrêtés à 9 mètres sous l'effet d'un tassement ou d'un ce qu'on appelle un faux refus. Donc dès lors que les pieux ne descendaient plus, ils ont pu penser qu'ils avaient atteint le niveau alluvionnaire, ce qui n'est pas le cas, donc peut-être un faux refus, et 2 mètres de fondations manquantes d'un côté. On a fait des investigations par ultrasons, etc. Et donc, on a dû greffer sur l'opération donc une mission géotechnique, donc qui a été, au-delà de la G5, complétée par une mission G2, qui sera complétée elle-même par la mission suivante. Donc, en tout cas, il s'agit d'une découverte en phase étude, donc qui est reprise par des éléments d'avant-projet. Comme je l'ai évoqué, aujourd'hui, on a plusieurs hypothèses d'intervention. Le jet grouting ou les micropieux, chacun ayant ses avantages et inconvénients. Et la solution n'est pas arbitrée, nous sommes en discussion avec le bureau de contrôle. Donc voilà l'origine de cette intervention. Si nous avons encore une minute, moi j'avais une dernière question, je l'ai posée ce matin en revoyant la tour. Les claustras ont une couleur, disons un peu crème, légèrement rosée. Et les essais qui ont été faits, qui ont été pratiqués, montrent un béton, pas franchement gris, mais gris par rapport à cette couleur-là. Comment va s'opérer l'harmonisation générale de la tour? Alors, déjà, l'état actuel, donc c'est l'état tel qu'il a été livré après la campagne du milieu du siècle, qui a fait donc ces ragréages extensifs, peu pérenne, mais probablement intéressant à l'époque pour rendre acceptable l'état de délabrement des structures. On s'est aperçu, donc on a fait des essais, alors ce ne sont pas des effets stratigraphiques, des études stratigraphiques de type décorpin qui seront peut-être menées. En tout cas, on a pu discriminer les différents états. Ce que l'on a vu, c'est que l'état général actuel de la tour, c'est l'application d'une peinture qui a probablement été envisagée pour harmoniser les réparations. Donc c'est ce qui semble une peinture minérale qui rappelle la pliolite. Il faudra peut-être faire des prélèvements pour regarder ce que c'est exactement, dans la mesure où cette peinture recouvre les réparations des années 60. Donc elles sont postérieures et ne font pas référence aux teintes initiales. Ce qui nous manque, c'est la photo en couleur de 1925, comme la photo du XVe siècle. On ne l'a pas et je pense qu'on ne l'aura jamais. Par contre, ce que l'on peut dire... La différence, c'est que... Oui. Il y a des photos noir et blanc. Donc sur la base des documents noir et blanc, on voit une bichromie effectivement assez manifeste entre les structures qui sont beaucoup plus grises qu'elles ne le sont actuellement et les claustrats qui ont une teinte plus claire, probablement chamois. Mais il faut aller jusqu'au bout. Les photographies noir et blanc n'étaient pas panchromatiques au départ, elles étaient orthochromatiques, c'est-à-dire que le jaune était surdosé par rapport aux autres couleurs. En tout cas, il y a une bichromie qui se retrouve dans la composition des bétons. Donc on a analysé les bétons des claustrats et le béton des structures, donc qui ne sont pas les mêmes. Donc certains documents font état des structures plutôt foncées et les remplissages en claustrats plutôt clairs. Donc la différence des matériaux corroborée par cette donnée esthétique nous laisse à penser qu'effectivement la bichromie était souhaitée, d'où le choix des ciments différents et des granulats différents. Je peux peut-être ajouter un mot. Il est clair que dans l'œuvre de Perret, la question de la patine et des patines plutôt au craie apparaît dans différents édifices. Donc ça j'imagine que ça alimente cette question-là. C'est-à-dire qu'on a une patine au craie, on l'avait sur le mobilier national, on a trouvé des preuves qu'elle existait dès le départ. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est que le matériau, le ciment, c'est un matériau qui évolue dans le temps et c'est un matériau qui contient des oxydes de fer. Et ces oxydes de fer dans le temps tendent aussi à réagir. Et le béton initialement très gris tend à s'éclaircir dans le temps et à jaunir, simplement parce qu'on a une transformation des oxydes de fer dans le ciment lui-même. Et parfois, si on n'a pas de traces de patine dans les creux et dans les angles, il est parfois difficile de dire s'il y avait une patine. Et on attribue ces changements de couleur, en tout cas à la couleur jaune, plutôt jaune, à l'utilisation de patine, mais parfois c'est simplement juste un vieillissement naturel du béton. Dans l'immeuble de la rue Raynouard, il y a quand même dans les creux des couleurs jaunes d'ocre très pâles et qui ont été enlevées au moment des premières restaurations qui ont été des micro-sablages très fins. Tout à fait, mais de toute façon, on a retrouvé des preuves, que ce soit au Palais d'Iéna, que ce soit à rue Raynouard ou au Mobilier National. C'était une volonté de Perret d'avoir cette finition, cette patine en fait. Mais je voulais juste dire que parfois, le ciment de lui-même devient plus jaune. Il est clair que sur cette question, il faudra regarder les choses plus finement et que des prélèvements et des observations par un restaurateur seront nécessaires avant l'exécution des travaux, bien sûr. Je précise qu'en ce qui concerne les procédés de nettoyage que nous avons testés, donc nous avons testé la micro-abrasion qui est un petit peu vigoureuse, qu'on va limiter à l'effacement des tags, et nous avons utilisé également de la cryogénie qui a une souplesse de dosage de prélèvements beaucoup plus fines. Donc là, effectivement, il y a un champ qui sera approfondi d'ici l'exécution des travaux. Maintenant, nous séparer en remerciant nos intervenants de la qualité exceptionnelle de leurs études et François Goven, nous attendons avec impatience le résultat de ton rôle de rédacteur en chef de la revue Monumentale, qu'on va acheter avec plaisir. Et merci. Merci à tous. Merci à tous pour cette réunion qui était vraiment passionnante. Et merci à Cédric Avenier qui a nourri nos réflexions.